Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Passeo. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous accueillons un invité d'exception et un invité bien connu du Passeo. J'ai nommé Prose qui vient inaugurer son exposition. Et donc, bienvenue à tous pour son vernissage. Afin d'introduire un petit peu son travail et les œuvres qui sont exposées ici autour de nous, l'idée était de réaliser une petite interview en public, un peu informelle, une discussion comme ça entre nous pour essayer de comprendre un peu mieux son parcours, son univers, ses influences et ses travaux. Donc, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de se livrer à ce petit exercice, pas toujours évident pour un artiste. C'est une bonne maison, c'est un régal. Bon, alors, bienvenue en tout cas et merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Donc, on va commencer peut-être par évoquer ton parcours. Alors, dis-nous, Prose, d'où est-ce que tu viens? Moi, je suis belge. Désolé. On ne sera pas, hein. Ça fait un petit moment que j'ai quitté la Belgique. En passant par l'Espagne, j'y suis resté 7 ans. Donc j'ai fait les beaux-arts et les arts graphiques en Belgique, à Bruxelles. Ensuite, j'ai vécu quelques années en Espagne parce que je voulais partir un peu après la fac. Je voulais faire mon voyageur pendant un an. C'est ce que j'ai dit à ma mère, mais je suis revenu 7 ans après. Donc ça a duré un peu. Et passionné d'art depuis toujours. J'ai jamais fait que ça. Depuis que je sais tenir un crayon, je dessine. C'était mon projet de vie et voilà aujourd'hui. Et merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Et donc, ton parcours aux Beaux-Arts et tes études t'ont apporté quoi concrètement en termes de graphisme? C'est assez simple, c'est que je dis souvent que si tu ne connais pas les règles, tu ne peux pas les contourner. Donc je suis allé apprendre les bases et puis j'ai mis un gros coup de pied dedans. Voilà, concrètement. La base. Déconstruire. Pour déconstruire quelque chose, il faut être capable de construire correctement. En effet. Et donc tu as, pour arriver à là où tu en es aujourd'hui et à travailler et à vivre exclusivement de ton travail, tu as eu un parcours compliqué. Particulier, ouais. Parce qu'on fait, on fait de l'alimentaire pendant très très longtemps. Mm-hmm. Moi j'ai... Ça fait 6 ans que je suis vraiment professionnel, mais je peins de manière quotidienne depuis 33, 34 ans peut-être. Et donc il y a eu plein de boulots alimentaires, il y a eu des boulots. Je me suis formé dans plein de choses parce que j'aime creuser quand je fais quelque chose. Donc j'ai dessiné des plans dans le génie civil, j'ai dessiné des plans dans les centrales nucléaires pendant plusieurs années. J'ai eu des postes que probablement les gens normaux m'auraient envié, mais moi j'en voulais pas. Donc ça a toujours été alimentaire, jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter tout ça et de faire mon métier, qui est celui-là maintenant. Donc tu dis que tu as toujours baigné dans la peinture et que tu as toujours aimé ça. Au niveau du contexte familial, comment ça se passait à la maison? J'ai eu toutes les libertés du monde, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais faire. Mon père a beaucoup peint, il copiait les classiques flamands. On n'est pas flamand pour rien. Et du coup, j'ai eu vachement d'ouverture. On m'a jamais demandé d'être ni docteur, ni avocat, ni de... Je suis allé à la fac parce que je le voulais. Parce que les arts graphiques, je voulais creuser. Donc j'ai fait la fac pour apprendre les arts graphiques correctement. Mais si je ne les avais pas fait, c'était pareil. Les beaux-arts leur suffisaient. On cherchait le bonheur, pas la réussite. Et donc aujourd'hui, tu es un artiste reconnu et accompli. Ouais, reconnu, c'est présomptueux, mais... C'est moi qui l'ai dit, hein. Voilà. Non, j'ai la chance, quand on fait appel à moi, que ce soit mon travail qu'on me demande. Voilà. J'ai fait beaucoup de par la formation classique, j'ai fait beaucoup de portraits, de paysages, de machins pour manger, parce que vaut mieux se faire ça qu'aller faire des frites, quand on veut faire mon métier. Mais là, maintenant, je suis content, parce que quand on m'appelle, c'est en l'occurrence, pour ce que vous voyez là, moi que j'ai nommé l'abstrait urbain. J'ai une espèce de... On en parlera, mais... C'est une espèce de pont entre l'art urbain et l'art contemporain. C'est amener l'art urbain ailleurs que sur les murs. Alors on va rebondir là-dessus, hein, du coup, puisque tu en parles. Quelle est, selon toi, la différence entre l'abstrait urbain et l'art urbain, s'il existait une différence? C'est pas une différence, c'est juste que les outils de l'art urbain
elle donne une liberté qu'on n'aura jamais avec un crayon, avec un pinceau, avec un rouleau. C'est, on a des libertés de mouvement qu'on fait à échelle 1 en général, et qu'il est super agréable de reproduire en petit, d'en apprendre le contrôle. Et on a et surtout des effets par rapport au temps de séchage super court de la bombe. Ça permet de travailler sur une minute trente, et d'avoir des effets différents selon mais tout ça sur un temps super court. Quoi. Donc c'est plutôt une des outils identiques, mais une autre philosophie peut-être. Ouais, moi j'ai pas la philosophie vandale illégale parce qu'il le faut. J'ai eu cette phase parce que moi j'ai découvert ça milieu des années 90. Et j'ai trouvé ça marrant, mais des métros, on en fait un, deux, et après on se rend compte qu'on n'a pas le temps de faire les choses bien. On salit simplement, et en tant qu'artiste, bof, c'était pas mon délire. Quoi. Donc je continue à faire des endroits désaffectés, parce que j'aime bien prendre le temps. J'y vais, j'ai mes quatre bières, ma grillade, mon machin, je fais ma fresque la journée. Mais après, il y a vraiment deux écoles. Le graffiti, à proprement dit, c'est illégal, ça doit le rester. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Mmh. Moi, je suis un peintre qui s'inspire des graffeurs. Hein. On me nomme graffeur très souvent, mais j'ai pas leur culture. Mmh. Enfin, c'est pas parce que tu as fait deux trains ou une dizaine de murs que tu es vraiment un graffeur. Je l'ai fait pour la sensation, pour savoir ce que ça faisait, et puis pour apprendre à utiliser des outils. Mmh. Parce que malheureusement, au Beaux-Arts, ça fait pas partie du programme. Et puis de fil en aiguille, ben, voilà, je préfère travailler dans l'atelier, posément, tranquillement, avec ma musique, tranquillement, travailler sur 10 toiles à la fois et finir quand j'en ai envie. Donc, dans le recours à ces outils, en particulier à la bombe, la bombe aérosol, qu'est-ce qui t'intéresse dans le matériau en tant que tel ? Bah, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est la liberté de mouvement en fait. Mm-hmm. On fait avec une bombe, avec un peu de pratique, on fait à peu près ce qu'on veut. Et puis le mouvement ne s'arrête pas là en fait, il est plus haut et ça change tout. C'est compliqué de l'expliquer sans l'avoir pratiqué, mais ça change vraiment tout en fait. Alors, au Beaux-Arts, on est tout dans le contrôle en fait. Vous avez un cadre où limite le poignet ne peut pas sortir de là. Et le graffiti, bah, déjà, te sort de l'intérieur, mm-hmm. et après te sort du mouvement. C'est ça qui est super intéressant. Et le temps de séchage particulièrement court aussi sur le bombe aérosol. Ah, ben ça, c'est une découverte, c'est d'innombrables erreurs parce que tu t'attends à faire un truc, mais après c'est trop tard. Donc t'as un temps de travail qui est d'une minute, une minute trente. Et moi, je fais beaucoup d'arrachage pour avoir la matière, quelque chose qu'on ne va pas chercher normalement dans le graffiti. Mmh. En général, on cherche à ce qu'il soit vif, vu et le plus lisse possible. Mmh. Ben, moi, j'ai la démarche inverse. Ah, oui, et du coup, ben, après 10 secondes, je sais que si je colle un papier et que je l'arrache, je vais avoir un grain fin. Après 30 secondes, si je fais la même chose, je vais avoir un grain très épais. Voilà, c'est des heures et des heures de labo, moi j'appelle ça. C'est ce que je préfère en fait. C'est des expérimentations en atelier, des choses qui sortent même pas de l'atelier. Travailler sur l'accident en fait et l'intégrer. C'est ça. Quand j'ai la chance de donner des cours, c'est ce que je donne en premier. C'est que déjà la gomme, elle n'existe pas, même mon crayon. C'est quelque chose que j'élimine directement quand je donne des cours aux jeunes. Mm-hmm. C'est que l'erreur, elle va entraîner quelque chose. Le style de beaucoup d'artistes vient d'une erreur. Mmh. Et après, on s'en inspire, on la retravaille et puis on fait exprès. Absolument, absolument. Quand on observe tes travaux, il y a plusieurs éléments graphiques qui sont récurrents et qui reviennent. Mais on va peut-être commencer par ton nom d'artiste, ouais. Prose. Ça peut être intéressant et de d'expliquer un peu d'où ça vient. Bon, Prose, ça. Ça a 35 ans à peu près. C'est avec mon frère, on avait un délire, on baigne dans l'hip-hop depuis toujours. On a toujours aimé ça et on écrivait tous les deux. Et du coup, un jour, on s'est cherché des noms d'artistes, je me rappelle même plus du sien. Mais moi, j'avais mis prose, écrit comme en poésie. Ensuite, bon, j'ai une obsession pour les yeux, je pense que ça se voit. Du coup, j'ai doublé le O pour avoir cette espèce de regard. Et puis le Z est devenu pour le graphisme. Mais prose à la base, c'est juste parce que j'écrivais avec mon frère en fait. Et voilà. C'est parti de là. D'accord. Donc il y a vraiment un rapport aussi avec la musique, avec le texte, le verbe et la lettre. Oui, il n'y a pas un tableau qui se fait sans musique. Mmh. Ou c'est dans le casque ou c'est dans l'atelier, mais il n'y a pas un tableau qui se fait sans musique. D'accord. On retrouve aussi de manière assez récurrente dans tes œuvres et dans ta signature cette couronne. Donc j'ai envie de te demander les influences, quels sont les artistes qui t'influencent. Bah, la référence, elle est évidente. Hein. C'est Jean-Michel Basquiat. C'est la liberté, justement, toujours la liberté qu'il a pris d'amener l'art africain sur les murs et une vie complètement décalée. Mais c'est un artiste que j'admire beaucoup. Et c'est la seule référence
iconographique que je vais avoir sur mes tableaux, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, l'iconographie, les choses qui existent déjà. Mais la couronne, elle est là parce que c'est un clin d'œil, en fait, tout simplement. Ok. Donc, il y a peut-être d'autres cultures, tu cites Basquiat, parce qu'effectivement, c'est évident, mais peut-être Haring aussi. Haring, j'aime bien Dubuffet aussi, j'aime beaucoup Dubuffet. C'est pas vraiment le même univers, mais j'aime beaucoup Dubuffet. Sur le trait. Sur le côté graphisme, ouais. L'œil, en fait, le reste, c'est pas évident. Mais mon œil, en général, il est très géométrique, très noir, très marqué. Et c'est ce que fait Dubuffet. Ce que faisait Dubuffet. Tout à fait. Donc, à partir de ces travaux qu'on observe ici, qui sont extrêmement colorés et du coup optimistes, quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ton travail? Bah, tu l'as dit, l'optimisme, le sourire, je revendique pas grand chose, je suis pas politisé, ça m'intéresse pas vraiment. Mais ouais, si ça provoque un sourire, bon, moi j'ai tout gagné. Ouais, l'optimisme, l'honnêteté, j'aime pas trop ça c'est un petit perso, mais l'hypocrisie, le mensonge, c'est quelque chose qui me fout bien les boules. Donc, ouais, l'optimisme, le bonheur, la liberté, ouais, tout ça, c'est bateau, hein, mais c'est ça. Ouais, mais c'est assez parlant. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir ou dans les mois qui suivent? Ouais, en fait, c'est pas parce qu'on a 47 balais et qu'on fait ça depuis pratiquement 10 jours qu'on n'a plus rien à apprendre. Donc là, je suis en train de me former en gravure. Voilà. Et je vais rien changer à ce que je fais, mais je vais essayer d'amener la gravure pour travailler sur plaque de cuivre et compagnie, pour venir amener la gravure sur papier, parce que c'est pas évident de graver sur quoi. Et s'il faut, ça marchera pas du tout, mais là je m'enferme pendant 2 mois là, pour apprendre la gravure et d'autres petites choses, mais ça on verra. À suivre. Voilà. Donc, en tout cas, bravo, c'est un nouveau défi et un beau défi. Je vous rappelle que l'exposition de Proust se déroule ici au Paseo pour 1 mois. Pour retrouver son travail sur internet, vous pouvez donc taper proz.fr, proz.fr. Vous retrouverez également l'artiste sur Instagram et sur Facebook, à savoir que vous pouvez tout à fait échanger avec lui et discuter si vous avez des projets personnels de commandes ou autres. Avant de laisser la suite, j'aimerais te demander, est-ce que tu as le mot de la fin avant de conclure cet entretien? Oh, souriez. Ah, c'est pas mal. Donc à suivre, on va libérer la scène pour les musiciens qui sont là pour la jam dans un tout premier temps. Et puis tout au long de la soirée, donc Proz va réaliser une peinture en direct, un live painting sur le chevalet qui se trouve ici. Et donc je vous invite évidemment à discuter et à échanger avec l'artiste. Merci à tous pour votre attention. Merci. Bonne soirée.